The first rock and roll music I heard was Elvis Presley. And then I met some Teddy Boy guys, and then they said, oh, it's not only Elvis Presley, you've got Gene Vincent and Cole Perkins. And when I first heard people like Johnny Burnett, it blew me away, and it changed my life. You know, not just listening to rockabilly at home, the whole culture of the music, the sound, the clothes, the cars, the women, you know. Le Johnny Barrel Country Band était à l'origine le Holy Barrel. On jouait pas mal dans les bistrots de Montmartre. Et on s'est retrouvé. Trouvé un moyen de boire gratuitement. Voilà, c'était un peu ça. Comment on pourrait boire gratuitement? Faisons un groupe qui chante dans les bars. La genre, c'est 62-64 vraiment du mouvement, voilà. Jusqu'en 66. Si on prend les groupes initiaux, on va dire, il y a Jimmy Smith, des jazzmen comme ça. Dans la soul, c'est Jackie Wilson. Dans la British Beat, on va parler des Who, des Kings. Toute la période des années 90, de ce qu'on a appelé la Britpop, qui s'inspirait essentiellement dans l'imagerie, notamment de mouvement mode, effectivement. Oui, Oasis peuvent se considérer comme des modes. Les Blur aussi. Hein. Moi, en fait, je commençais fort. Hein. Ouais, j'étais looké, on pouvait pas me rater. Hein. J'arrivais au lycée, j'étais le seul skin. Et moi, en fait, lui, la grosse différence, c'est que tu as commencé à être skin beaucoup plus tard que moi. Moi, j'ai commencé, c'était l'adolescence, quoi. Et quand on est adolescent, on a besoin de se prouver des trucs et tout. Et donc, ouais, moi, mes parents ont eu peur, quoi. Par exemple, pour moi, tu vois, un punk, c'est pas parce que t'as des clous et que t'as une crête que t'es un punk, en fait. Enfin. Pour moi, c'est tout ce qu'il y a derrière idéologiquement de dire bah ouais, on veut changer les choses, on veut que les choses elles soient, comment dire, tout le monde soit sur un pied d'égalité en fait. Et bah, comment faire pour faire ça? Bah, des moments où en fait être gentil entre guillemets et être mignon et faire ces choses par le biais là, ça marche pas. Bah, du coup, on va être un peu plus hardcore en fait, entre guillemets, et marquer les esprits par la musique, par ça peut être par la tenue vestimentaire, mais c'est vraiment en fait voilà, toute une contre-culture qui s'est créée pour dire bah il y a des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord. Et du coup, eh ben, on va se mettre un peu en marge et créer autre chose pour essayer de bouger les choses, quoi. En arrivant au lycée, je suis tombé sur des gars un peu plus vieux que moi qui m'ont dit « Le meilleur groupe du monde, c'est Motorhead. Il faut que tu écoutes Motorhead. » J'étais au collège, je sais pas, 12-13 ans, avec Cure, le groupe Cure, qui passait quand même au moins à la radio, donc ça permettait voilà, de mettre un pied. Tout m'a plu, tout me correspondait, et je me suis retrouvée là-dedans. Any Elvis Presley fans in the room? That would be obviously the 50s when it started, and a big comeback in the 70s in England with Teddy Boy music. And then in the 80s, it became more rockabilly. Rockabilly made a comeback. The 80s was very big with the Stray Cats, of course. '79-'80, quoi, hein, c'est là. Un petit peu avant, il y avait déjà le tribut à la rue du Théâtre Français, il y avait donc ce qu'on appelait les rockers, les blousons noirs et tout ça, donc ils nous intimidaient un petit peu parce que, voilà, ils étaient plus âgés que nous, hein, à cette époque-là, eux devaient avoir peut-être 25 ans, juste 30 ans. Donc nous, on avait 15-16 ans, donc c'était assez intimidant. Et après, donc, il y a eu toutes les modes, les punks, les skins, les 50s. Nous, on faisait partie de la tribu des 50s, donc parce qu'on. On adorait s'habiller dans l'esprit années 50. On allait tous dans les friperies, après on allait tous à Londres et autres, aux États-Unis pour chercher des fringues et tout ça. De suite on a flashé, donc ben, si on regardait Elvis, on regardait Gene Vincent, on regardait Little Richard, et qu'est-ce qu'ils avaient? Ben, ils avaient des fringues des années 50, hein, bien entendu. Et du coup, pour nous,
la tenue, c'était ça, quoi. Hein. Donc, l'hiver, eh ben, des petits blousons, voilà, comme ça, en cuir, ou autre, des petits futs comme ça, à pince, avec le revers et tout. Et puis, l'été, eh ben, les fameuses chemises hawaïennes, bien entendu. Hein. Donc, nous, on avait tout ça. Et après, il y avait un petit peu le côté qu'on appelait aussi un peu bad boy. Donc, plutôt jeans retroussés, plutôt bombers, plutôt t-shirt blanc avec le blouson par-dessus. Et après, les fameuses roues flaquettes à la Levi's, quoi. Hein. Donc, du coup, il y en avait qui portaient ça très, très bien aussi. Après, il y avait la fameuse banane, hein, bien entendu. Il y en a qui sont allés, qui ont poussé vraiment la coupe vraiment au maximum, quoi. Hein. Des fois, on se demandait même comment ça tenait. Donc, nous, on était plutôt dans des tenues, dans des coupes vraiment dans l'esprit années 50. Mais il y en a qui étaient vraiment dans l'esprit un peu Little Richard, avec la fameuse pompadour, quoi. Hein. Vraiment, alors là, les filles, pareil. Alors, les filles, c'était magnifique. Hein. Elles avaient des coupes... vraiment, les choucroutes et tout, c'était vraiment, c'était fabuleux. It's, I got into rockabilly music at the age of about 15, 16 years old. Played for many, many bands in the UK for 25, 28 years. Moved to Marseille about a year ago and created a new band, Mick Wigfall and the Toxics. Around the corner, your love it holds the key. I want your kisses every morning. Maybe stand by me. So low to above is what I'm thinking of. Every day and every night, I need your kind of love. Presley's first album, and Johnny Burnett's Rock and Roll Trio. For me, that is one of the classic rockabilly albums. Movies, it'd be like Black Ball Jungle, The Girl Can't Help It, one of my favorites, The Wild One, Marlon Brando. The normal rockabilly guys are just normal guys who work every day like everyone else, just, you know, middle class. Normal class people, you know, just love going out at the weekend, getting a bit drunk, and listening to rockabilly, and that's it. It's all good fun. La musique country, c'est la musique la plus populaire des USA. Nous, en France, on a reçu des États-Unis le rock surtout et tous ses dérivés, la soul, le hip-hop plus tard, etc. Mais la musique américaine par excellence, c'est la country. Et la country, c'est une musique qui est née dans le sud, comme à peu près tout ce qui est cool aux États-Unis, et qu'on pourrait définir comme la folk américaine, la musique traditionnelle américaine. Alors, il y a des historiographes qui disent que c'est la musique folk anglo-saxonne venue des îles britanniques, à laquelle on a ajouté le violon et instrument européen typique, venu d'Hollande, de France, etc. Et le banjo, qui est un instrument venu avec les esclaves africains du Mali, ce genre de choses. Moi, j'ai une définition un peu plus fluide. La country, c'est une musique qui a maturé pendant presque deux siècles. C'est avec les différentes vagues d'immigration, bon, les esclaves, comme on a dit. Noirs, ça, c'est très important. Parce qu'on, en France, on a tendance à beaucoup à mettre la country d'un côté, le blues de l'autre. Alors que c'est beaucoup plus poreux que ça, et c'est deux musiques qui sont quasiment les faces d'une même pièce. T for Texas, D for Tennessee, T for Thelma, that gal that made a wreck out of me. Et donc divers vagues d'immigration européennes. Alors, il y a les troupes les plus évidents, c'est les anglo-saxons, mais il y a les Allemands, les Français, on a quand même été pendant deux siècles dans ces territoires-là, les Hollandais, mais aussi des trucs un peu plus... inattendus comme les Suisses avec le yodel, les Tchécoslovaques avec la polka, et toutes ces influences, elles ont maturé chez les classes populaires. C'est pour ça que c'est la musique la plus populaire, et populaire dans tous les sens du terme, parce que c'est une musique qui est née dans les églises, qui sont des lieux populaires par excellence, sur les champs, les chantiers, les routes, par les cow-boys, par les employés ferroviaires,
par les employés maritimes, les marins qui faisaient les bateaux à vapeur du Mississippi. Et ça a donné cette musique qui est une espèce de gumbo culturel et gumbo d'influence qu'on a appelé la country. Le Johnny Barrel Country Band, c'est un mélange de, on va dire, de musiciens professionnels et de musiciens complètement amateurs. Je pense que ce qui nous rassemble, c'est une certaine envie de s'amuser, en fait, et de chanter ces chansons-là, en fait. Ce répertoire absolument inconnu. Là, comme exemple de disque, alors j'ai Loretta Lynn, qui est une grande chanteuse de country qui vient de mourir il n'y a pas très longtemps, qui était une grande féministe, en fait, libertaire de son époque. Tu vois, elle a chanté la pilule dans l'Amérique blanche ultra-conservatrice. Il y a Waylon Jennings. Alors ça, c'est les générations plus tardives, c'est les années 70. Là, c'est les générations sex, drugs and rock'n'roll de la country, quoi. Et là c'est Johnny Cash, un cadeau d'un ami qui est... C'est l'original d'époque. Et Johnny Cash, c'est tout ce qui est... Lui, il représente les humbles, les obscurs, les souffres-douleurs du système, quoi. Et là, ça, c'est Hank Williams. Donc Hank Williams, il est mort super jeune, avant tout le monde, à 27 ans, à l'arrière d'une Cadillac, un soir de Noël ou un soir du Nouvel An. Le profil typique du public du Johnny Barrel Country Band, on va dire, ce serait un peu vieux schnock, un peu ringard, alcoolique, dépressif. Hein. Ouais, mais adorable. Mais adorable. Et des fois, tu sais pas pourquoi, quelques gonzesses un peu bourrées qui aiment bien se foutre un poil sur les comptoirs. Ça arrive. Ouais. Et puis des fois, des gars qui viennent carrément te mettre des coups de pied dans ton flight case parce que tu chantes un truc de raciste. Ah oui, voilà. Tonight, sur Radio Grenouille 88.8 FM. Suivez le voyage musical tous les premiers mardis de chaque mois autour de la musique jamaïcaine des 60s et 70s. Soul, rhythm and blues, ska. Les mods dans les années 60 en Angleterre écoutaient déjà ce type de morceaux. Et oui, le ska, le blue beat, vous allez voir avec le prochain morceau de Beezers. Mode moderniste en fait, au départ. C'est un mouvement anglais qui a commencé dans les années 50, à la fin des années 50 en fait. C'était les jeunes des quartiers plutôt working class, d'accord, qui voulaient un peu s'émanciper après la guerre. Avoir une culture propre, une identité propre, etc. Et en fait, ces gens-là, ces jeunes-là, ont de suite pris une tenue vestimentaire. C'est-à-dire que pour se démarquer, il fallait qu'ils soient smart. Donc costard des trois boutons, cravate, attache-cravate, coupé bien comme il faut, les habits de la Riviera italienne. Et le truc qui allait avec, le mouvement moderniste, c'est le moyen de transport. Le moyen de transport, en fait, c'était les scooters italiens, le Vespa, les Lambretta et tout ce qu'il y avait à cette époque-là. Si on prend le stéréotype du mode, c'est une veste, chemise, cravate, pantalon serré, pantalon cigarette serré. Il y a la cible qu'on voit là sur la plupart de tous les reportages sur le mode, etc., qui est la cible, donc qui est la cible de la Royal Air Force. Là, après, le Vespa surchargé de chrome et de phares et de rétroviseurs. La parka, la coupe, les chaussures étaient italiennes,
la coupe était française, etc. Ils avaient vraiment choisi des codes, alors qu'ils sont pareils issus du mouvement du jazz. Et donc, il y avait aussi cette volonté de multiculturalisme, c'est-à-dire cinéma, musique, voilà. Il va y avoir tout le cinéma d'exploitation, que ce soit la sexploitation de Rosemeyer, par exemple, ou la blaxploitation aussi, puisque l'attirance de l'afro-américanisme est grande chez les modes. Musicalement, en fait, les modes, il n'y a pas de musique attitrée au mouvement mode. Chaque mouvement mode, chaque période a eu une musique ou deux musiques de prédilection, mais ça va clairement quelque part du rock and roll, du rhythm and blues, du jazz, jusqu'à à la musique dans les années 70, début des années 70, où on est plus sur des trucs qui commencent à être ce qu'on appelle du garage, voire même le début de choses qui sont souvent apparentés à l'ancêtre du punk, les choses comme ça. Et entre les deux, la soul, la musique jamaïcaine, puisque mouvement de décolonisation, le Commonwealth, les West Indies qui arrivent en 64 en Angleterre, ils sont dans les mêmes quartiers que ces jeunes des quartiers défavorisés ou quartiers populaires. Donc mélange de musique, donc première musique jamaïcaine, en tout cas des West Indies écoutée par les modes, le blue beat. Une des icônes des modes à cette époque-là, début des années 60, Millie Small, avec un hit que tout le monde connaît, My Boy Lollipop. On va prendre un des groupes qui est considéré comme le plus mods des mods, je vais le dire comme ça, les Beatles. Tous les mods anglais sont derrière les Beatles, il n'y a pas photo, sauf que ça a évolué, on a vu comme ça a évolué. Et dans les dégaines, et dans les musiques, etc. Et c'est parti sur autre chose. Mais au départ, les Beatles, des mods. Et ce qui est amusant aussi, par exemple, parce que dans le mouvement mods, quand il y a eu le revival de fin 70, début 80, en même temps que le revival ska, avec le mouvement Two Tone, les mods, les jams, Secret Affair, il y avait 72 millions de groupes anglais, rétrospectivement, en fait, dans l'esprit, quelque part, c'était très punk. C'est très hallucinant, quoi. Les jams, quand on les écoute, finalement, maintenant que je les écoute, je me dis, mais putain, c'était des punks, en fait. On disait que c'était des mods, mais non, c'était des punks. Le punk, je dirais, pour moi, ça commence années 60, avec les groupes Iggy Pop, qui introduit une certaine... certaines violences dans le rock'n'roll qui n'étaient pas tellement présentes jusque-là. Après, ça s'est embrayé rapidement sur les groupes de New York comme les Ramones, New York Dolls, qui est pareil, rajouté un peu de violence et de folie à rock'n'roll qui était un peu vieillissant avec une image d'Elvis en train de mourir sur les chiottes, quoi. Quotidiennement, c'est très très qui était un groupe de Lille, un groupe du Nord,
Tu savais vraiment jamais quand ils allaient jouer, tu savais jamais où ils allaient jouer. Et eux, ils ont des paroles qui sont, quand tu les lis, qui peuvent paraître assez simples en fait. Il n'y a pas vraiment de grandes phrases, de grands trucs hyper chiadés. Mais par contre, c'est hyper efficace et c'est super poétique. Et c'est pour ça que quand je dis on diabolise le punk, ça m'énerve. Parce qu'en fait, c'est des pattes. C'est-à-dire que les textes de traite, pour moi, c'est de la putain de poésie. Ils n'ont pas besoin de dire flic, ils n'ont pas besoin de dire manif, ils n'ont pas besoin de dire des trucs ultra politiques et on va dire bêtes et méchants, entre guillemets, pour que leurs textes soient engagés, et je trouve ça magnifique. Et voilà, moi, toute la discographie de Traître, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Après, toute la veine de ces groupes un peu de l'île du Nord, il y a Utopie aussi dans la même veine, on a un groupe qui s'appelait Douche Froide. Voilà. C'est vrai que quand tu dis punk à quelqu'un, il va sûrement, enfin beaucoup de gens vont penser une veste en cuir, une crête, des bottes, voilà. Parce que cette veste, on va dire que je l'ai pas achetée dans un magasin avec des patchs dessus. C'est des groupes qui me tiennent à cœur. Si une chose à retenir pour le punk, c'est bon DIY, qui vient de l'anglais do it yourself, fais-le toi-même. Que ce soit au niveau de la musique, au niveau vestimentaire, au niveau de ce que tu vas manger ou de là où tu vas vivre. Prends les choses en main dans le respect, bon, tout en respectant les autres. C'est pas une question de choquer, mais un peu en fait. C'est choquer, mais dans le sens où on veut choquer pour faire changer les choses. Et c'est-à-dire qu'on veut qu'on nous remarque en fait aussi, et qu'on remarque la parole qu'on a, qu'on remarque le discours qu'on a. Et voilà, en fait, et on se rend bien compte que, ben, comme je disais, d'être un peu tranquille, d'être un peu gentil, de jeter des fleurs, ça marche pas, en fait. Donc, comment faire pour que, ben, on nous entende? Et ben, faut crier, donc ça passe par la musique, il faut un peu provoquer, ben, ok, on va passer par mettre des clous, par mettre des trucs pour dire, voilà, on est là, tu vois, regarde, ouais, tu peux avoir peur de moi, mais aie peur de moi parce que moi, j'ai un discours qui peut peut-être contrer ton discours, en fait, tu vois. Et c'est vraiment cette volonté de se faire remarquer et de par ce biais-là, en fait, que la parole et que les trucs qu'on veut faire comprendre aux gens, en fait, voilà. Même s'ils ne le comprennent pas dans le bon sens, en fait, que ça les percute et qu'en fait, ils y pensent et qu'ils se rappellent. Le métal, il se crée petit à petit. Il n'y a pas vraiment de groupe qui a dit, voilà, ça, c'est du métal. Au début, on a eu le blues, le rock'n'roll et tout. Et après, il y a eu des groupes qui ont voulu devenir plus méchants, que ce soit dans le son, dans les compos, notamment Black Sabbath, Deep Purple et Led Zeppelin. Je pense que c'est les trois principaux, mais on peut aussi citer Alice Cooper et Queen, qui sont très importants. Et ensuite, en fait, ça a été de la surenchère dans la rapidité, dans le son, qui est plus massif et tout. Donc, il y a eu Judas Priest, il y a eu Iron Maiden, Motorhead, Metallica, Slayer, Sepultura, et à chaque fois, c'est de plus en plus. Parce que le heavy, c'est faire plus fort que le hard rock. Le thrash, c'est faire plus fort que le heavy. Le death, c'est faire plus fort que le thrash, et ainsi de suite. C'est pour jouer plus fort, plus méchant, plus vilain. I love the dead before they're cold. They're blue in flesh for me to hold. On va être facilement attiré vers ce qui peut être morbide ou violent ou quoi, je pense. Donc voilà, sûr que le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique est assez prisé dans ce milieu-là, je pense. Peut-être que les métalleux vont plus facilement accepter la mort et le mal-être et se poser des questions sur ça. De toute façon, ça vient pas du métal, ça vient de Baudelaire, d'artistes comme ça. Et très tôt, on a compris qu'il pouvait y avoir du beau dans ce qui est censé être pas beau, quoi. Et après, je pense qu'il y a une part de provocation. Et que c'est un peu pour emmerder les gens qu'on met des têtes de mort, des croix à l'envers, des trucs comme ça partout, parce que les cubénis, c'est sûr qu'ils aiment pas ça, quoi. J'ai créé le magasin Sabretooth en 1999.
J'ai beaucoup de gens qui viennent, qui partagent la même passion que moi, ou certains qui veulent découvrir notre univers. Je vends essentiellement du hard rock et toute la famille du hard rock, donc du hard rock, du metal, du speed, du thrash. Et j'ai aussi des t-shirts, des tasses, des bracelets cloutés. Alors le groupe que je vends le plus, bien sûr, c'est Motorhead. Parce que dans la vie, il y a deux sortes de gens. Il y a les fans de Motorhead et ceux qui vont le devenir. Je vais vous présenter un des disques que je vends le plus au magasin. C'est un disque de Motorhead. J'ai aussi des disques de Iron Maiden, bien sûr, qui sont les grands classiques du rock et du hard rock. Bien sûr, de Black Sabbath. Donc, les premiers skinheads, ça arrive à la fin des années 60 en Angleterre. Ça arrive parce que y a un peu une radicalisation. On dit souvent que c'est des modes qui ont évolué comme ça. Alors avec c'est vrai que les dégâts ont un peu changé. On commence à mettre des jeans, on commence à mettre des boots. Ils avaient les cheveux courts. Donc c'est pour ça qu'on les appelait les skinheads, très associés à la musique jamaïcaine. Il y a eu tout un mouvement fin des années 60, 68, 69, 70, en Angleterre, de musique faite par les Jamaïcains pour les skinheads anglais. Donc titre éponyme, Skinhead Moonstomp, groupe qui s'appelle Simarip, typiquement c'est ça, groupe de black. Hein. Donc bien évidemment, ces gens n'étaient pas racistes. Donc voilà, ça c'est arrivé dans les années 80, en Angleterre, Thatcher, l'économie est compliquée, on ferme les usines, il y a la guerre des Malouines, etc. Donc ça s'est radicalisé, grosse immigration, National Front qui est derrière. Ça n'a rien à voir avec le courant musical. You're a proper little skinhead, then, yeah? Mate, looking in the mirror, 20 years ago when I was fucking 12. Our country has been stolen from under our noses. Yes! Well, gentlemen, it's time to take it back. You filthy, packy bastard. Get your hands off him now! There's 3.5 million unemployed out there. And that fat yet sends us on a fucking phony war. Look up! A fucking damn night in that war! Okay. Pour nous, les fachos, les faf, ce qu'on appelle les faf, en France, c'est pas des skins. Ça peut pas être des skins. Parce que déjà, quand on se dit skin, on se revendique ouvrier. Et quand on s'y connaît en politique, on sait très bien que le fascisme, c'est pas des mouvements ouvriers. C'est des contrôles de masse, c'est la volonté de contrôler les masses. Et on peut pas se dire pour les ouvriers et fascistes. Donc pour nous, ils adoptent notre look, mais c'est un mouvement qui a rien à voir. C'est des bonnes, c'est des mecs qui ont rien compris, en fait, à la classe ouvrière, quoi. Pour moi, le premier groupe, c'est The Redskins, qui a tourné vers aux alentours de l'année 1985. Et il y a aussi, on en a peut-être déjà parlé, The Oppressed, qui a été l'un des premiers groupes aussi en Angleterre qui s'est vraiment dit antifasciste. C'est eux qui ont créé ce qu'on a appelé le SHARP, en fait, le Skinhead Against Racial Prejudice, qui a été un grand mouvement qui a été repris pareil dans le monde entier et auquel encore aujourd'hui pas mal de personnes s'assimilent. Il y en a pour lesquels 69 n'a aucune signification, mais 69 quand même, au niveau musical, c'est là où il y a vraiment l'effervescence du reggae. Concrètement, on a fait un groupe, ça s'appelle les Red Hollers. Nous, ce groupe, on l'a fait parce que tout simplement, il n'y avait plus de groupe de musique sur la scène Redskin marseillaise. Donc voilà, on fait de la oi ou du street punk. Même quelques morceaux ska. Et voilà, et ça permet de fédérer vraiment, d'un point de vue culturel, la scène.
Le mouvement gothique qui naît en Angleterre, fin des années 70, avec des groupes qui suivent juste le mouvement punk. Ils en enlèvent le côté politique, donc on les surnommera les Bad Cave, les premiers, avec donc Siouxsie and the Banshees, Baos, Specimen. Pour moi, le gothique, on va dire par excellence, ça va être Manson. C'est le trash, c'est le je veux faire peur et en même temps, il y a un côté un peu sexy, un peu, je sais pas, romantique et en même temps terrifiant et crasseux, quoi, un peu. Et les œuvres qui m'ont principalement touchée dans la culture gothique en règle générale, quand j'étais jeune notamment, c'est de là que c'est parti, ça a été avec les dessins animés, Tim Burton par exemple. Je regardais les Noces funèbres, je devais avoir quoi, 6-7 ans. Et c'est là où mon attrait pour la culture du dark, en règle générale, a commencé à gentiment s'installer. En littérature, on va prendre donc des auteurs comme Baudelaire, poète, le romantisme noir. En fait, c'est la souffrance, elle est là, mais elle devient belle. Et donc, dans ce romantisme opposé un peu au matérialisme, qu'on va dire, les gothiques se retrouvent là-dedans, le spleen, mais il devient beau. Pour moi, c'était la poésie à l'état pur, c'était retranscrire tout ce qu'on ne veut pas dire et peut-être qu'on a honte de ressentir et d'apprécier aussi. Cet attrait pour le mystique, pour l'occulte, pour l'interdit. Et ouais, ces poèmes, c'était juste incroyable. Je les connaissais par cœur, j'avais 10 ans. Assez jeune, j'ai perdu pas mal de proches. Et c'est peut-être une réponse traumatique tout ça, je sais pas, mais au final, c'est sûrement la meilleure. C'est que j'ai appris à apprivoiser la mort, même à la rendre belle. Et dans toute cette esthétique-là, je me suis retrouvée en fait. Genre ces robes de princesse toutes noires. Ce qui saute aux yeux, mais peut-être que tout le monde le remarque, c'est la couleur noire qui est dominante dans les vêtements. Ça aussi, hein, c'est un petit peu, en Occident, c'est quand même les vêtements noirs, c'est pour le deuil. Nous, c'est pour la vie. Le noir, évidemment le noir. Ensuite, ça va dépendre. Tu vas avoir le gothique un peu plus romantique, ou ça va être beaucoup de dentelles, ça va être pour les filles souvent des robes victoriennes. Un truc qu'on va retrouver très souvent à peu près dans tous les styles de gothique, ça va être quand même ce manteau. Le long manteau en cuir trench un petit peu. Les chaussures, on aime bien porter des énormes boots. Alors on va souvent aller chercher un teint blafard, on va mettre des couleurs qui contrastent vachement. Donc plus tu vas avoir la peau claire, plus tu vas mettre du noir, du violet. Pour les bijoux, ça va être déjà un indispensable. Tu vas avoir les chaînes que tu peux mettre absolument partout, sur toi, sur tes pompes, autour de ton cou, partout. Tu vas avoir le cuir qui ressort beaucoup, des grands bracelets en cuir avec des colliers à clous, toutes ces choses-là. Et au bout d'un moment, la blague, ouvre ton magasin. Bon, ça c'est fait. C'était une belle aventure parce qu'il faut mettre tout en place. Et en fait, ça s'est bien passé et j'ai pu aussi proposer de la création, donc des pièces uniques en fait. Quand j'ai vu que la clientèle était là et était contente, j'ai poursuivi. They don't feel with children mean nothing to you. House filled with love, hers been so true. You'd rather have a drink with the first guy you meet. And the only home you know is the club down the street. You might think smoke and loud music is the only kind of life you'll never understand. You might think smoke and loud music.
dancing to a honky-tonk pipe. It's the only kind of life you'll never understand. Go on and have your fun, you think you played it smart. And I'm sorry for you and your honky-tonk heart. Il y a une image en France, notamment, de la country music comme étant vraiment une musique de facho, catho, extrémiste. Alors, effectivement, ça existe, mais ce n'est pas que ça. C'est quand même un répertoire qui est très large et très riche. Donc, ça existe, mais il existe surtout autre chose. Des musiciens qui vont prôner justement le mélange culturel, le féminisme, qui jouent et la qui liberté. Partagent leur musique, leur passion et leur peine, leur joie et leur bourrage de gueule entre noir, blanc. C'est un mélange et je ne sais pas pourquoi en France, par contre, on ne connaît effectivement principalement que l'aspect redneck dégénéré. En France, on a une image très négative de la country, c'est aussi pour ça que je voulais faire un peu cette conférence. En France, on a beaucoup aimé excusez-moi le terme, mais se masturber intellectuellement quand le rock est arrivé en France avec les G.I.s, etc., autour du blues, du rhythm and blues et des musiques noires, en mettant cette idée que le rock, c'était une musique des noirs que les blancs avaient volée. Alors que c'est pas vrai, le rock c'est 60% de country selon moi, 40% de rhythm and blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky to move. Move over little dog, cause the big dog's moving in. Il y a une connexion qui est évidente entre la musique country et le rock'n'roll des débuts et tout ce qu'on peut avoir en Bretagne, en Auvergne, en Provence, où vous voulez. Et en France, avec le jacobinisme ou je ne sais pas quoi, on a préféré concentrer notre patrimoine musical autour de Paris, on va pas se mentir, et de la chanson à texte, la grande chanson à texte, des musiques de café, des musiques de cabaret, et en mettant de côté tout ce patrimoine qu'on avait, parce que je pense qu'on a aussi un problème avec notre rapport nous-mêmes avec nos musiques rurales. Et je pense qu'aussi ce qui nous gêne en France, c'est que la country n'est pas une musique qui a une vocation particulièrement politique ou revendicatrice. Une définition que j'aime bien de la country, c'est que trois accords et la vérité. C'est une musique qui perd pas son temps, c'est une musique qui est dans la... qui va essayer de vous chercher dans le cœur et dans les tripes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une musique qui va perdre son temps en sophistication, c'est... une musique, c'est Dolly Parton qui disait ça, c'est une musique ordinaire, faite par des gens ordinaires qui parlent de choses extraordinaires. Et quand je dis des choses extraordinaires, c'est pas des fantaisies ou des trucs lunaires, c'est parler du quotidien, parler de cet esprit, de ce truc très paysan aussi avec lequel on a en France un peu de mal, du désespoir rentré. La musique, la country, c'est une musique incroyable, incroyablement belle, parce que c'est la musique de mecs qui vivent des galères innommables au quotidien, mais qui au lieu de se plaindre, dire putain, on me persécute, etc., rentre leur désespoir, le désespoir, et l'extériorise avec la musique. C'est pour ça que c'est des trucs d'une beauté, des textes à tomber par terre, parce que c'est des textes simples qui perdent pas leur temps à faire de la fioriture, vous voyez ce que je veux dire? Pas grand chose à part le plaisir de chanter ces chansons qui sont bien écrites avec un humour particulier et des arrangements et des harmonies de voix. Moi, c'est parce que j'adore les harmonies de voix. Oui, puis partager toutes ces histoires parce qu'en fait, c'est plein d'histoires qui sont racontées, quoi. C'est vachement de témoignages d'époque et en même temps, il y a un truc éternel, tu vois. Le cœur brisé, c'est éternel, c'est des classiques. Mais c'est toujours écrit d'une certaine manière avec un humour vraiment spécial. Puis alors, selon les artistes, t'as vraiment des façons d'écrire qui sont drôles, qui sont touchantes, tu vois. Yeah, I used to get in a lot of fights in London with skinheads. If I'd get on a bus and I'd go anywhere, a dodgy part of town, like West London, for example, there'd be a lot of skinheads there. And they'd used to chase us on the bus and we'd have big punch-ups and... But a lot of trouble with the skinheads and mods, to be honest with you. Rivalité entre les mods et les rockers, qui a été immortalisée par Quadrophonia. C'était clairement deux tribus
qui n'avaient absolument pas les mêmes valeurs, les mêmes codes, les mêmes envies, les mêmes volontés. Alors, les modes étaient quand même un peu élitistes, même si c'était des gens de la working class, avec des tenues très travaillées, très propres sur eux. Voilà. Et donc, le scooter comme élément de transport. Alors que les rockers, on était plus dans la working class pure et dure. Il y avait aussi toute une communauté de Teddy Boy. Teddy Boy, à l'époque, franchement hostile aux Noirs des West Indies, ça se fritait, enfin, c'était violent, hein, voilà. Et pas les mêmes codes, pas les mêmes cultures, pas les mêmes goûts musicaux, voilà. Tout ça faisait que phénomène de bande, phénomène de groupe, voilà, on n'appartient pas à la même histoire, on n'appartient pas à la même communauté, donc on est des ennemis, bon, voilà. Quand dans les années 80, moi j'avais 14-15 ans, je me suis commencé à m'intéresser à cette musique, donc très rapidement j'ai pris les codes vestimentaires, voilà, et sur Marseille, donc c'était quand même un peu compliqué, surtout que j'habitais dans les quartiers nord, donc c'était même très compliqué, par moment. Et comme on était rattaché à une communauté musicale, nécessairement, si ce n'était pas notre communauté musicale, on était un peu en friction avec les autres communautés musicales. Mais on ne savait pas pourquoi, c'était juste parce qu'on n'écoutait pas la musique. Pour aller dans une boîte l'après-midi, j'avais 14 ans, les mecs avaient 20 ans, ils me sont tombés assis dessus, quoi. Voilà, c'était ouais. Ça, hein. La réalité, c'est ça, quoi. Mais à cette époque-là, c'est sûr que dès qu'on se promenait avec des dégaines années 50, pantalons roses, des chaussures en daim bleu, des choses comme ça, je caricature pas parce que c'était vrai en plus. du coup, bon, c'est sûr que c'était pas évident. Et comme nous, à cette époque-là, on s'habillait vraiment tout le temps comme ça, quoi. C'était pas uniquement pour les concerts. Donc, du coup, il fallait assumer. Après, il y en avait qui prenaient plus ou moins bien les petites réflexions des uns et des autres. C'est ça, après, comment on réagit à la petite réflexion. Hein. Parce que bon, on descend la Canebière à Marseille, il est évident qu'on va se prendre au moins une réflexion. Donc du coup, c'est après comment on réagit par rapport à ça. Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols, a bien réussi son coup en donnant aux gens une image des punks alcooliques, défoncés, destructeurs, qui se révèlent dans certains cas vrais, mais dans beaucoup d'autres, totalement fausses. Si t'es nos futurs, bah, autant mourir de suite, hein. Sinon, propose autre chose, quoi. Pour moi, le punk, c'est le respect. Dans une société, on va essayer de te faire plier du berceau à la tombe. Pour moi, le punk, c'est ce qui me permet de rester la tête haute, de croire en moi et de croire aux autres.
c'est une force positive dans ma vie. Enfin, ce qui m'intéresse surtout dans le mouvement punk, au niveau de tout comment dire, le message que ça peut faire passer, c'est que je trouve que c'est vraiment un mouvement qui a évolué de son époque. Et en fait, c'est vraiment un milieu qui a suivi. C'est-à-dire que ben là, comme parler des cultures LGBT, en fait, toutes les causes, un peu les nouvelles causes que les gens veulent mettre en avant, le punk suit en fait. Et intègre ça dans ce milieu-là. On a pas mal de groupes aujourd'hui en France, de groupes queer en fait. Je prends l'exemple du groupe Trolls, un groupe de Toulouse, qui essaie vraiment de perpétuer ce truc de rage en fait. En passant par des biais où bah voilà, on va parler de vraiment problèmes aujourd'hui, de problèmes de sexualité, de problèmes de genre, de toutes ces questions-là en fait. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un milieu en fait qui s'essouffle jamais parce que ben il soutient toujours en fait les nouvelles causes, les nouvelles générations, etc. Et je trouve ça vachement intéressant. Et en fait, la question de la femme aujourd'hui, voilà, c'est ça en fait partie en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'émancipation qui est en train de se faire de plus en plus. Et en fait, c'est un biais qui marche super bien pour faire passer ce genre de message-là. Et moi, je trouve ça super cool et je suis contente que, voilà, qu'il y ait encore plus de nanas qui continuent et qui se servent de ça, en fait, pour montrer qu'elles ont la rage et qu'elles sont là, quoi. Et même si on choque, on provoque, il y a quand même une espèce de... Moi, ce qui me touche, et c'est pour ça que je fais partie de ce milieu-là, c'est qu'il y a une bienveillance et une écoute et quelque chose de profondément bon, en fait. Et c'est pour ça que moi, quand on voit en mode « Ah, les punks, on diabolise les punks, etc. » Oui, on peut faire peur, on peut être un peu trash, mais en fait, le fond de notre discours, c'est pour changer les choses et pour que... Ben, comment dire, que l'égalité soit faite, en fait, entre n'importe qui. Je pense que le mouvement rock'n'roll a été un peu un mouvement qui s'est opposé, dans les années 70, au mouvement hippie. Donc, nous avons été plus durs, on était très proches du mouvement des bikers aussi. Donc, les habillements en noir et le côté morbide. Il y a un folklore sataniste qui est très très présent au niveau de l'attitude. Il faut voir qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent du métal, qui viennent du nord de l'Europe. Donc ils rejettent la présence chrétienne pour revenir à des valeurs ancestrales, vikings, traditionnelles. Mais après, il y a surtout du folklore. C'est-à-dire que la plupart de ces gens-là ont une vie tout à fait normale à côté. Ça pense que les métalleux sont soit satanistes, soit fachos, et c'est dommage quoi. Et du coup, on se met plein de gens à dos, les gens bien pensants. Moi, j'essaie de que mon aspect extérieur ressemble à mon aspect intérieur. Et du coup, c'est sûr que si j'étais bien peigné, bien coiffé, en costard, j'aurais l'impression de tricher et de mentir aux gens. Là, j'ai l'impression de ressembler à l'image que je me fais de moi. Et je vois plein de gens qui sont comme ça et qui se cherchent et qu'on voit qu'ils sont pas accomplis, qu'ils sont pas eux.
Et du coup, moi, j'ai l'impression d'être moi, et ça me plaît, quoi. C'est dans une interview de Marilyn Manson, il disait, ouais, un CD vous jugera jamais, il sera toujours votre pote et tout. Et c'est vrai que ça, c'est important. Et du coup, pour moi, c'est être heureux, c'est rendre ce que le métal m'a donné en m'affichant un peu comme ça. C'est clair que la population de base était plus homme blanc, mais de plus en plus, il y a des Noirs, des musulmans, des Asiatiques. Il y a des groupes dans tous les pays du monde. Il y a des... Il y a une scène métal en Afrique noire. Et d'ailleurs, dans cette scène-là, il y a beaucoup de filles. Un des chanteurs principaux de notre musique, c'est Rob Halford, qui a annoncé officiellement être gay. Donc, il y a absolument de tout. Petit à petit, je me suis aperçu quand même que le regard des gens n'était pas toujours sympa. Et puis après, il y a aussi l'agressivité, quoi. Les gens sont capables de venir. Au lieu de demander pourquoi, éventuellement d'être curieux, c'est de suite, ils nous montrent qu'ils n'aiment pas, voire même qu'ils ne comprennent pas, mais de manière souvent agressive. Comment j'ai vécu mon style, on va dire, au jour le jour? Déjà, du côté de ma famille, en effet, ça a été compliqué. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille musulmane. Et ouais, ce qui n'a du coup rien à voir, ce qui est même plutôt à l'opposé exact. Et donc voilà, on m'a un petit peu forcé cette religion, on m'a un petit peu inculqué des choses qui ne me ressemblaient pas. Et je pense que ça a été un ras-le-bol et un besoin de dire bah non, en fait, je suis pas du tout comme toi. C'était plus une sorte de cri, tu vois. J'avais besoin de m'exprimer et d'être qui j'étais réellement. Et il a fallu que je le cache pendant longtemps, malheureusement. Donc c'est-à-dire que mes petits colliers à clous, je les mettais dans le fond de mon sac et dès que je sortais, boum, je les enfilais. Parce qu'à la maison, ça passait pas du tout, c'était pas cette culture-là. Une fois arrivée du coup sur le chemin de l'école, il y avait des regards, puisque j'ai grandi en cité. Puis, évidemment, ça dérangeait. On me voyait comme, comme un sataniste, en fait. Hein. On m'appelait la gothique. En arrivant dans l'école, du coup, il y en avait qui étaient un peu plus cool. Le collège, par contre, ça n'a pas été marrant. C'était du coup des personnes qui n'étaient pas du tout axées à cette culture-là. Et du coup, j'ai subi du harcèlement à cause de ça. Ouais, comme je disais, on m'appelait la gothique, on me jetait des trucs. On me disait, alors, t'as prié Satan aujourd'hui. Ce qui est complètement ridicule, quoi. Enfin, voilà, ouais, c'était pas forcément fun. Dans la rue, ça arrivait aussi. Tu croises des personnes qui te regardent, qui font ah, le diable, des trucs comme ça. Mais, moi, non, je suis gentille, en fait. Viens me parler, tu verras. Non, je me suis pas dit que j'arrêterais le gothique parce que même si c'était pas forcément facile à vivre tous les jours, c'était la carapace que j'avais décidé de me façonner parce que c'était celle qui me ressemblait le plus. Quand je vais rencontrer des gens, soit je vais leur plaire, soit je vais pas leur plaire dès le début. Déjà, au moins, ça c'est cash, c'est net. Si je vois que c'est celui qui passe et qui me regarde de travers, ce sera pas mon copain. S'il est un peu plus intéressé, let's go. Et c'est aussi sûrement une façon de se retrouver avec les gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire que moi, je vais au centre commercial, je vois une personne fringuée comme moi, j'aurais plus de facilité à aller lui parler à elle qu'à une autre, par exemple. Par rapport aux années 80, peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent être dans la mode d'adolescents. Je vois peut-être plus de gens aujourd'hui habillés de la même façon, qui suivent la mode, effectivement, tout ça. Peut-être je me trompe aussi, mais... J'en vois plein aussi qui ont des dégaines, qui écoutent sûrement de la musique qui n'a rien à voir avec celle que je peux écouter, que je ne comprends pas du tout, mais c'est le même principe en fait, c'est la même histoire. Ça ne va jamais mourir, ça va continuer d'évoluer toujours et encore. Il y avait le gothique de base, et puis ensuite on a créé des dérivés, et ça ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours des fans, il y aura toujours des personnes qui vont avoir cet attrait pour le morbide. Je pense que ça s'arrêtera jamais. En fait, parce que tout simplement, lorsqu'on est adolescent, on cherche quelque chose. Je ne pense pas que le hard rock soit mort. Bon, il existe encore des grands groupes qui jouent toujours. C'est vrai qu'ils sont sur la fin. Mais je pense que le public va continuer d'exister. Non, pour moi, punk is not dead. Déjà parce que, comme je te dis... Tout à l'heure, en fait, pour moi, c'est pas juste un style vestimentaire ou juste, tu vois, un style de personne qui est une crête ou quoi. C'est que c'est vraiment dans la lutte et dans défendre des nouvelles causes aujourd'hui qui arrivent et qui arrivent par dizaines tous les jours, en fait. Pour moi, en fait, c'est pas parce que t'écoutes des trucs qui font boum boum que t'es punk. Enfin, genre, tous les gens qui se battent aujourd'hui pour tout ce qui est, par exemple, comme je disais tout à l'heure, la question du genre, la question de la sexualité, la question de la femme, en fait, pour moi, ça, c'est punk. C'est juste être en...
en décalage et se continuent à se battre, en fait. Et quand on dit aujourd'hui, les jeunes, ils n'en ont plus rien à foutre de rien, pour moi, c'est pas vrai, en fait. Pour moi, il y a une grosse conscience. Et justement, je pense que ça les fait flipper. et voilà, pour moi, c'est parce que en fait, on continue à se battre et que... et qu'on continue à perpétuer ça, que ce soit dans la musique ou dans d'autres causes, en fait, bah pour moi, non, c'est pas fini, quoi.